bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette première vidéo 2024. Bon bah le lac de mon enfance a ouvert, hein, ça y est on y est. Par contre ce week-end il y a un 40h, donc qui dit 40h, moi je l'ai fait plus trop à cause de mon épaule, un amorçage lourd et tout, je pouvais pas trop. Par contre, quand il y a le 40h dans le grand bassin, ça permet l'ouverture du petit bassin. Donc là c'est où je me trouve. Donc ici, tout est possible. On peut faire du très très beau poisson comme rien du tout, comme un cormoran ou un canard. Donc là je vais m'adapter, stalking, j'ai un petit peu de pain, j'ai des appâts. Je vais y aller au feeling et je vais me laisser tenter, j'espère qu'il va y avoir du résultat et quelques poissons. Donc là le 40h ça dure du vendredi au dimanche, donc je vais faire quelques heures par jour pour concurrencer un peu toutes ces équipes et voilà, stalker, deux cannes, en improvisation totale. C'est parti. Ouais les amis, je vais attaquer avec cette technique là, bulle d'eau, pain. La bulle d'eau va permettre de lester le pain, de pouvoir la positionner où je veux, même à longue distance. Là, c'est une bulle d'eau assez lourde, donc ça aurait un très bon autoferrant. Allez, c'est parti. Regardez ce jeune cormoran là qui rend tout le monde fou là. Ils ont tout bouffé cette année, c'était incroyable. Les truiteurs ont été contents. Allez, c'est parti avec la technique légendaire. Allez, c'est parti. Perfecto. Allez voir s'il y a un peu de monde sur la bordure d'en face. On va laisser dériver ça gentiment. Un pichon les amis. Bon, le poisson a répondu en surface, magnifique. Pas monter l'épuisette, rien. On va essayer d'improviser. Au moins il y a du poisson sur la zone. Une commune pour démarrer ce tournage, c'est sympathique. Là, il commence pas. Ouais, une commune plutôt sympa. Live, tu stops. Hey. C'est la copine. Tu te calmes. C'est la copine, ça. Voilà, les amis. Premier poisson de ce jeune tournage, magnifique couleur hein, pour cette superbe commune, très agréable, elle est très énervée, on va la remettre rapidement, mais magnifique couleur, très content. La surface ça paye, même en eau froide. C'est reparti les amis, je vois des fouilles un peu à droite à gauche là partout là. Peut-être falloir rajouter une canne en fond en plus. Hop, on va présenter ça sur une belle coulée. Parce que c'est hyper dur là, je les vois pas monter. La couleur de l'eau, je vois que là il y a des fouilles. À gauche aussi, mais je les vois pas monter quoi. Je les vois que quand elles sont sur le pain. Et... Là on est au pain perdu donc il va falloir être attentif, mais allumer la GoPro tout le temps, anticiper et tout, c'est hyper risqué, ça bouffe la batterie donc pas évident. Ah bon, pour un premier jour c'est pas mal. Ça va fouiller en dessous encore. Pendu. Yes. Live, tu te calmes, tu te calmes. Ouais, qui est très peu d'amorçage, j'ai réussi à faire réagir le poisson. Putain, j'espère qu'on va avoir des bonnes surprises. Parce que vu la couleur de l'eau et tout, je me rends pas compte de tout. C'est un peu l'avantage hein, quand ils font les 40 heures.
Sur 21 postes dans le grand bassin, ça permet de pêcher le petit et de voir des poissons qu'on voit moins régulièrement. On bagarre pas beaucoup, les eaux sont encore un peu froides. Puis présent surface comme ça, elles ont perdu un petit peu l'habitude, donc un bon point pour moi. Voilà, on a un poisson de loupé. Celle-ci, c'est la bonne. J'espère. Le miroir, j'ai l'impression. Le miroir, là. T'as l'impression aussi? Doucement, oh! Ah non, une commune encore. Une autre commune! Là, il s'arrête. Et t'arrêtes un peu, tu me fatigues. Oh! Quelle affaire! Toujours aussi folle celle-là. Live, t'arrêtes! Live! C'est bon, c'est bien, live, stop, t'arrêtes. Tu me fatigues. On constate une fois de plus ton super relationnel, live. Hein? Ouais, une coco calibrée comme tout à l'heure, les gars. Je vous présente ça. Voilà, les amis, deuxième poisson. Magnifique commune également, hein. Moins rouge, des couleurs un peu moins vives, mais extrêmement belle, extrêmement propre, ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est reparti. Je pense qu'il va être temps de changer de poste, les amis, parce que là, j'ai fait beaucoup de raffus. Donc c'est très bien, comme vous avez pu le voir, j'ai attaqué en surface. J'avais pas forcément besoin de bulle d'eau, mais vu que là, la grosse était montée pour pêcher assez loin, ça me permet d'avoir un bon autoférant si j'ai pas la canne en main, si j'ai la canne au sol. Donc pour ce premier poste, on a fait 4 touches, 2 poissons, un poisson qui s'est décroché, un loupé au ferrage, et puis les deux communes que vous avez vues. Maintenant, on va changer de poste et voir ce que ça dit ailleurs. À savoir qu'il y a du vent, donc pour pêcher en surface, c'est extrêmement dur. Techniquement parlant, là, ce poste-là, il était bien, mais on va aller voir ailleurs, changer de cadre, parce qu'ici, on les a calmés un petit peu. On se retrouve très vite. Voilà, rendu sur le deuxième poste, les amis. Voilà, vous pouvez voir le vent, ça va vraiment m'empêcher de pêcher en surface. C'est pour ça qu'on peut constater au-dessus de mon épaule un petit combustif. Je vais lancer ça à côté de l'île pendant une petite demi-heure. Je vais pêcher qu'à une seule canne, hein. L'autre, il y a une bulle d'au-dessus. Et affaire à suivre. Je vous montre le montage et on balance ça. Vous voyez, un petit combustif, les amis. Une toute petite chaussette de pelée. Un bel échage rose vif et on va voir ce que ça dit. On va poser ça au ras de l'île. On va faire une petite demi-heure, une heure comme ça, et après on va voir ce qui se passe. On va s'adapter après. Le cormoran sur sa branche là-haut, j'aimerais bien le secouer un peu. Voilà, là ça me plaît, c'est parfait. On va laisser ça là quelques instants, les gars. Voilà les amis, on peut constater la canne à la bulle d'eau sur la berge. Et la canne en fond tendu. Plus qu'à patienter, on va voir ce que ça donne là. Il y a un gros cormoran en concurrence là-haut là. Niveau, c'est sûr qu'il me surpasse, mais on va voir. Affaire à suivre. On va essayer en surface au large là-haut là. Ça bouge pas mal là-bas, mais bon, plus tu pêches loin en surface, plus c'est dur de piquer le poisson. Pas évident, on va retenter.
On est pas mal. Contact au large. Eh bah quand même. Ouais, des poissons super discrets qui mouchaient de manière très discrète et j'ai persévéré. Allez, c'est parti, l'épuisette n'était pas montée, formidable. Quelle affaire. Poil bien gros. Et oui, là, elle a pas vu qu'il y avait un poisson, du coup, elle gueule pas. C'est hyper dur de mettre une bonne tension quand tu les pêches loin comme ça. Après, t'es tout le temps surpris par le poids, il y a tout le temps un petit truc qui. Ah, le poisson est. Il plaque bien le fond, il a remis toute la merde. Là, entre le temps que je vous ai repris, là, je fais pas mal de refus, pas mal de loupés. Là, c'est où j'ai une branche avec, où ça sonde vraiment, c'est bizarre. En train de racler le fond. Essayez de pas arracher la canne en fond qui est tendue, vous voyez, ça bouge encore derrière au large là-bas. C'est des tout petits mouchages discrets. Ouais, ça va aller chercher l'arbre là. Non, 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 ma fille. Ah si, elle va droite dedans. Ah, j'ai négocié, c'est passé. Bon, je vous reprends parce qu'il va falloir que je monte l'épuisette là. Ça va être une sale affaire. Regarde, qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Regarde, putain, oh le bordel. On est à l'opposé de l'épuisette évidemment. Une sale affaire. Petite miroir. Là, je monte l'épuisette, je vous reprends les amis. Parce que là, ça va être compliqué. Le compliqué. Non, c'est pas des combats foufous, les amis. Bon, allez, hop, allez, rentrer toute seule, magnifique. À voter. Arrête de te purger, là, Yves. Après, tu vas vomir encore. Ah, si, ça va, c'est correct quand même. Mais pas de gros combat. Bizarre. Voilà les amis. Premier poisson sur ce deuxième poste. Une belle miroir, hein. Je la voyais beaucoup plus petite. Bon, elle commence à avoir des bouches vraiment esquintées. Hein. Du coup, elle mouche en surface vraiment de manière discrète. Mais bon, ça reste une belle touche quand même, un beau poisson. Voilà, voilà. Donc, beaucoup de refus, quelques loupés. Troisième poisson de cette première journée. Affaire à suivre. Allez, va, mes mères. La canne en fond a toujours pas bougé. Ouais, je voyais des poissons marsouinants en surface, donc une fois de plus, canne de surface qui triomphe. Bon, beaucoup de refus, hein, des loupés. Pas des loupés piqués, mais ouais, des loupés. Je suis un peu rouillé quand même. Enfin, pour ce premier jour, c'est pas mal. On va voir si on revient demain ou quoi. Je vais essayer de persister un petit peu. Affaire à suivre. Et encore un poisson qui marsouine au large là-bas là. C'est vraiment du pain perdu. Bien au large. Ah, je suis pas si mal. On va voir. Si on la prend, abonne-toi. Hein. Tu t'abonnes si on la prend. Boum, contact. Hop, je l'ai dit. À voter. Ah bah là ça fait plaisir. Bon les gars, on a dit quoi? Vous vous abonnez? Si je la prenais celle-là, marsouinage, on s'abonne. Ah mon loupio. Live, pas de jalousie. Le maître des lieux. Petite visite de la menace en direct les amis.
Ah là par contre faut que je fasse gaffe quand même. Un poisson qui connaît les lieux. Ah, elle va aller sucer. Elle va aller nager dans les branches. Ouais. Ça a l'air d'être joueur. Ouais. Ouais, ouais. Celle-là va chercher l'île, elle va chercher tous les obstacles qu'elle peut. Essaie de partir au large, ma belle, ça serait bien. Ouais, non, elle va me faire la bordure de l'île, elle connaît tous les obstacles et tout. Poisson d'expérience. Ah là, ça repart à droite, c'est bon, c'est sauvé. C'est sauvé. Ça se rapproche gentiment, les amis. On dirait qu'il y a un poste à commune, un poste à miroir. Sous la pluie, hein, formidable. Ouais, ça a l'air d'être une miroir celle-là. Quelle affaire! Avec Life, le capteur, bien évidemment. En plus, ça a l'air beau. Ouais, miroir. Life, c'est bon, oh! Oh là là, quelle affaire! Life, tipi-pout! Il y a des chats là-bas. C'est le poisson chat, Life. Ah oui, elle est belle. Beau poisson. Oh là là. Ah. À voter. À voter. Life, c'est bon, on a compris. Oh. Voilà, les amis. Deuxième poisson sur ce poste. On s'était mis d'accord, hein. Si je la prends, on s'abonne, donc abonne-toi, je le dis jamais. Mets un petit pouce bleu si tu kiffes la vidéo. Et je pense qu'on va s'arrêter là avant de prendre une grosse saucée sur la gueule. Poisson bien abîmé, les gars, à la douceur, allez-y, cool, hein. Franchement, faites au mieux. Ah là, ça fera un souvenir. À voter, un bisou. Allez, quatrième poisson, les amis, on avait dit quoi? On s'abonne, Lifey. Satisfaction de retour, les amis. Bon, je l'avais dit, hein, celle-là, elle m'a ressouiné loin. Si on l'a fait, on s'abonne. Alors, je compte sur vous, on s'abonne, les amis. Je vous le demande jamais. Jamais, jamais, jamais. Je serai intransigeant sur les abonnements. Je compte sur vous. C'est reparti. N'importe quoi, ce qu'elle m'a fait encore, celle-là. Elle revenait vers moi, en fait. Donc, j'ai pas bien vu le mouchage. Là, ça revient à balle sur moi. À balle dans l'arbre. Regardez la vitesse que ça revient sur moi, c'est fou. Regardez. On voit rien en plus, c'est la foule. Une petite commune. Incroyable. C'est jeté littéralement dessus. Life, c'est bon, arrête, tu me fatigues. Oh. Et c'est bon, stop. À voter. Life. Et infernal, les amis. Le chien le plus jaloux de France. Tais-toi. Allez, c'est bon, là, t'as fait ton bisou. Bon, je vous la présente pas, les amis. Hein, c'est un petit saucisson.
J'ai l'épaule assez flinguée comme ça. Allez-y. Allez les amis, on tente le sixième poisson. Bon, celle-ci, je ne voulais pas présenter. Parce que j'ai vu une grosse nageoire remontée qui m'intéresse par là-bas. On va retourner prendre la température au large là-haut. On n'est pas si mal là encore. C'est reparti. Poisson en approche les amis. Ah, elle l'a pas pris. Ouais, ouais. Elle... Ah, là elle l'a pris. Là elle me teste psychologiquement. Elle essaie de le décrocher. Poisson qui a de l'expérience. Beau poisson les amis. Elle est dessus encore. Elle le goûte du bout des lèvres. Hein. Toujours dessus. Allez, la sixième en direct, les gars. Ah là là, le goûte. Vous avez vu, elle le coffre pas, hein. C'est incroyable. Elle essaie de le détacher pour pas se faire piéger. Elle est venue sur la bulle d'eau carrément. Incroyable. C'est une partie d'échec. Allez l'équipage, la sixième en direct là. Ça a l'air d'être un beau poisson, bien méfiant. Elle va me la mettre celle-là, c'est sûr. Vous voyez là, quand le poisson goûte comme ça et tout, faut vraiment faire preuve de patience, les amis. Faut pas tirer à la Walleghan trop tôt ou quoi que ce soit. Là, elle essaie d'affaiblir la fixation du pain en fait sur l'hameçon pour se faire plaisir. Elle a réussi. Là, elle a vu l'obstacle, elle a vu la bulle d'eau, elle a senti le danger, c'est barré. Ouais. Et là, il suffit de couper la caméra pour qu'elle revienne. Quelle affaire! Bim! En direct, les amis, j'étais pas sûr que je filmais. À voter. Quelle affaire! Ah, je me fais plaisir, je me régale aujourd'hui. Ça a l'air bien lourd. Ça fait plaisir. La sixième, j'en ai loupé beaucoup quand même. On va plus faire une 9-10 poissons, je pense. Bon, on va s'arrêter là, les gars, je crois. Ouais, ça m'a l'air bien lourd. Ouais. Enfin, je crois que c'est le poisson le plus lourd d'aujourd'hui. Au contact, là. Affaire à suivre. Beau poisson les amis. Je voyais sa belle nageoire tout à l'heure au large. Là voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas des poissons qui sont très combatifs. Quelques passants qui font hurler leur chien et tout. Pour une fois que c'est pas le mien qui gueule, incroyable. À une commune les gars. Non, ça a pas l'air si gros que ça, mais ça joue bien du travers, tout, ça joue bien de son poids. Affaire à suivre. Ah, c'est bien ça la dorsale que je voyais depuis tout à l'heure. Allez, viens ma belle.
magnifique. À voter. Sublime, les amis. Ça, c'est fait. Voilà l'équipage. Sixième poisson. Encore une commune magnifique. Très, très satisfait de ma journée. Incroyable, les amis. Vraiment très content. Une beauté pas abîmée. Neuf dans le papier. Alors, on la remet. Allez-y, fous le camp. Incroyable, les amis. Incroyable, les amis. Je coupais des séquences. J'avais oublié que j'avais relancé la canne. J'entendais des petits bruits de frein et. Ah, du coup, ça s'est planté dans l'île et tout. Bah là, ouais, là, si je la perds, c'est de ma faute, là, les gars. Restez focus sur votre pêche. Putain. Ah ouais, là c'est dans les ronces là-haut et tout, quel bordel. Ça, le problème de faire des vidéos, les amis, on n'est pas forcément concentré à 200% sur sa pêche. Et on fait des erreurs, et là je vais peut-être en payer le prix. Vous voyez, ça fonce. Ça longe l'île et tout, là, elle va me faire tous les arbres, elle va tout me faire. Elle, c'est sûr. On va être sion dans l'eau, on plonge tout. Et on prie, et on force un petit peu malheureusement. Et voilà, c'est dans l'arbre. C'est dans l'arbre là-haut. Quelle vacherie, putain. C'est sorti de l'arbre. Magnifique. On s'est pas mérité, hein, mais on serait voulu là. Incroyable, les amis. Encore une belle miroir. Attends, mais je vais me défoncer les épaules, j'en peux plus. Ouais, j'ai déclenché une belle euphorie alimentaire là. Un après-midi de folie. À voter. Live, c'est montage, le foie l'eau. Ouais, encore un beau poisson, les amis. Aberrant. Septième poisson, les amis. Incroyable. La cinquième sur ce deuxième spot. Bon, j'ai déclenché une concurrence alimentaire de malade. C'est aberrant. Une après-midi de fou, les amis. J'étais pas prêt. Par contre, dès que le poisson est un petit peu lourd, un petit peu bagarreur, on peut remarquer qu'il a la bouche défoncée. Pff, faites gaffe, les gars. Arrêtez de forcer, arrêtez de buter, ça sert à rien. Allons, l'armée, la belle. Allez-vous. C'est le genre de moment qu'on kiffe tous, hein. On sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ça s'arrêtera peut-être pas, mais c'est là qu'il faut avoir le côté humain d'arrêter, justement laisser la nature se reposer un petit peu, à savoir que l'autre côté il y a 40 heures, il doit y avoir une vingtaine d'équipes, donc gros carnage en perspective. Mais elles sont bien là dans ce petit bassin là, je profite bien, moi je me régale. Donc ça va être la fin de cette première journée, les amis, enfin de cette première après-midi, très content, on va dire une dizaine de touches, 7 poissons. Le top. Abonne-toi, frérot. Et demain, j'espère qu'on va revenir tourner la suite. Allez, let's go. Je m'arrête de voir un collègue sur le retour. C'est des ragondins qui viennent manger son pain. C'est un truc de ouf. Ils sont en train de se mettre une volée entre eux. C'est n'importe quoi. Ça, plus les cormorans et tout, là, ça devient compliqué. Bon, on va rentrer à la baraque, les amis, avec une satisfaction certaine. Quelle affaire. Salut l'équipage. Bah écoutez, comme annoncé, on attaque le deuxième jour. Il est 10h du matin, il y a un beau soleil. On va essayer de profiter au max et voili voilou, quelques heures de pêche encore. Pour compléter cette belle journée d'hier. J'espère que ça va bien se passer. C'est parti. Contact en live, les amis. Bon, en bordure en plus, magnifique.
masterclass. Il y avait une belle queue dans le coin, elle m'a tout foutu en l'air, maman, c'est pas grave. Là, il faut qu'elle mette. Lève, calme-toi, tu te tais. Lève, tais-toi. Et comme une bien foncée, là. Hop là. Lève, c'est bon. Quelle affaire. Arrête, Lève. À voter. Voilà les amis, avec quel poisson on commence cette matinée. Donc on est le deuxième jour. Hein. Le deuxième poste que j'ai pêché hier était pris. Donc voilà, je suis revenu au premier d'hier. Magnifique. J'ai localisé un ou deux beaux poissons, mais il y a beaucoup moins de poissons qu'hier. Donc on va voir ce que ça donne. Ah voilà, un petit coup de ligne sympathique. Allez, va ma belle. Pas simple ce matin les amis, il y a un beau soleil, avec la clarté je vois les ombres des poissons qui sont très rares. Donc, j'ai fait cette commune, je suis très content, j'ai posé un combistif pareil, en stalking en bordure. Très peu de poissons qui réagissent, beaucoup de passants, donc on va voir ce que ça donne, mais je pense pas camper là ou je vais peut-être changer de poste. Mais bon, on a décapoté. Et oui. Petite mission désembourbage les amis, hein, les aléas de la pêche et tout, vous voyez bah, les compétiteurs du 40 heures ils sont installés. Malheureusement, il n'a pas tenu compte. Il n'a pas tenu compte du taux d'humidité qu'il pouvait y avoir dans la pelouse. Et là, c'est la guerre. Grosse dépanneuse, ça va être la guerre, les amis. Ouais, ouais. Oh là là, quelle affaire! Ouais, vous voyez les gars, des fois dans ce genre de situation là, faut l'assistance, sinon c'est mort. D'où avoir une bonne assurance. Bon, de retour au bord de l'eau, les amis, je suis parti me restaurer après ce jeune sauvetage de véhicule embourbé. Incroyable, hein, comme quoi faut faire attention. Hein. Partant en gras et tout, ça peut être problématique et faire beaucoup de dégâts sur les postes. Bon, bah là, je vais me balader, hein. La matinée était très dure. Il y a gros de poissons qui sont concentrés sur le grand bassin, sur les amorçages, j'imagine. Donc on va le faire au mieux pour continuer cette masterclass. C'est reparti. On perdre du temps. Ouais, tension, détention, la tresse, elle a pas aimé du tout. L'enfer. Voilà les amis, après une magnifique pêche ce vendredi, très difficile le samedi, on se retrouve dimanche soir. Donc on peut constater que je suis sur le grand bassin. Il n'y a plus âme qui vive, donc la technique du rat est en place. Hein. Deux canons font poser de manière sympathique. Je reste encore une petite demi-heure. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter les 3-4 premiers poissons qu'on a fait de l'année avec Jay quand il est venu fêter son anniversaire dans le coin. Puis petite dédicace à moi, Alan, à Jay, à Mike, à tout le monde, à Kako, au poteau, à Romain. Un petit coucou à tous, c'était le week-end de Pâques. Voilà les poissons, les premiers poissons de la saison. C'est parti. Quelle affaire les amis, en surface, 70 mètres, bulle d'eau, incroyable. Habillé en bleu roi et tout, le retour du duc. Quelle affaire, le poisson dirait moi et tout, il est éclaté au sol. Je vous
Joyeux anniversaire. Tu vois, t'as la 42 décalée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon Djekou. Il n'y a pas de poisson qui résiste. Allez, tranquille. Allez, bonne nuit, chaud, 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 ça caille. Voilà les amis, vous avez pu constater les premiers poissons capturés cette saison avec ma belle chemise bleue, il faisait beau, il faisait chaud, j'ai pas trop compris au mois de mars et tout, mais bon, c'est comme ça. Bon allez, allez ramasser vos œufs. Bonne Pâques à tous. À la prochaine. Bye.